Salut YouTube, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous pour ce petit la suite du let's play sur Sons of the Forest. Comme vous pouvez le voir, en fait, on est en pleine forêt. Et du coup, on continue l'aventure. J'ai trouvé cet édifice, je sais pas ce que c'est en vrai. Un édifice bien particulier. Les sorciers sont parvenus à tracer l'histoire des labyrinthes d'Écosse jusqu'à la véritable origine. Un sorcier du 15e siècle appelé Eunon Blackwood, né Eunon Wood dans une branche non magique de la famille Wood, donc les Moldus. Eunon était, par contre, de ses parents Moldus. Putain, je prêche à tout. Et dans un effort pour s'intégrer, il se lança dans l'affaire familiale, la taille des haies. Il pouvait, dit-on, contrôler les prunelliers par la force de l'esprit, créant ainsi facilement des super motifs qui ne manqueraient pas d'impressionner et d'enrager son intolérante famille. Le ressenti grandit encore lorsque jeune Eunon reçut son invitation pour Poudlard en rejoignant la maison Poufsouffle. C'est à Poudlard que nous rencontra Artemisia Black, désirée par la famille Black. Après les débats avec sa mère, avec un père Moldu, Artemisia, le rapport avec cette dernière et la pureté du sang était complexe. Elle se considérait comme une union de jeune fille de sa mère, reprochait à son père leur déchéance. Curieusement, elle ne condamnait pas Wood par son ascendance Moldu, mais le considérait lui aussi comme une victime innocente de l'impureté des Moldus. Oh. Rebellion. C'est ouf. Est-ce qu'on peut le faire au balai magique? Ah, on peut pas. Là, ils l'ont désactivé, ces bâtards. Parce qu'ils savent que mon but, c'était de casser le jeu. Rebellion. Ok, j'ai niqué le coffre. Putain, merde. J'ai niqué le coffre, les gars, je crois. Je crois que j'ai cassé le coffre. Rebellion. Je peux plus l'ouvrir en vrai. Ouais, j'ai cassé le coffre. Malheureusement, il y a un bug dans le jeu et ils l'ont toujours pas réglé. Il y a un bug de jeu qu'ils ont toujours pas réglé. C'est qu'en fait, quand tu ouvres ce genre de coffre, En fait, quand tu ouvres ce genre de coffre et que ton inventaire est plein, le coffre est bugué, tu vois. Et ça, ils l'ont toujours pas. Ils l'ont toujours pas réglé. Pourtant, c'est un bug chiant. Ah merde, c'est mauvais que j'ai répulsé. C'est bon. Protego, confringo. Repulso, repulso. Et tu dégages. Ok. Donc ça, c'est bon. Et là, maintenant, je sais pas si t'es au cours, c'est ça? Si t'es au cours de divination pendant la journée. Ok. Ok. En vrai, venez d'abord, on fait tous les prérequis, non? Comme ça, on enchaîne les cours, non? Obtenir et utiliser une potion d'invisibilité. Obtenir et utiliser un breuvage contre les ennemis. Ça, je l'ai pas. Tentacula vénémeuse et obtenir et utiliser le mandragore sur plusieurs ennemis à la fois, ok. Et éclater les ballons. C'est quoi les ballons? What are the balloons? C'est pas sur violette? Ok.
Ballon dans le ciel. Ah, c'est le truc que je vois là dans le ciel là. Genre. Ça là-bas là. Ouais. Ok, ok. On va le faire vite. Réveillon. Dans les filles, tu dois débloquer de l'espace en regardant tes défis de Merlin si t'en as assez. Je l'ai pas assez fait. Je connais, gros, je connais. Merci beaucoup de m'aider, mais gros, je connais, j'en ai pas assez. Il m'en manque encore. 7. Là, je vais passer vite fait. Là, il y a un vendeur au-dessus. Je vais aller lui vendre vite fait, là. Toujours pas la salle sur demande, bah si. Je l'ai. C'est cool de voir qu'il y en a qui suivent les lives, ça fait plaisir les gars, merci beaucoup. Acheter Hogwarts. Avec l'argent que j'ai si ça je peux. Ouais. C'est là-dedans là que je dois les péter. Un. Deux. Réveillon. Where is the last one? Okay. Et des malins autour du terrain de Quidditch. Attends, juste aller vendre vite fait. Il y avait un vendeur ici, là. Là. Voyons si vous trouvez ce qu'il vous faut. Les gars, c'était quoi? C'était bureau rage. J'ai déjà, il me faut le Mondragore. Merci pour votre confiance. Et c'était bureau rage, mais je l'ai pas. Il vend pas lui le bureau rage, ouais il les vend pas. Il faut peut-être que j'aille voir à Préolard la meuf là. Attends. Ouh là c'est pas mal ça en vrai, attends, je vais te le garder. Petit crabe. Je vais te le garder ça en vrai. Merde. La merde. Ouh. Confringo, ok peut-être le garder en vrai. Et rude avec toutes les plantes. Sa mère. 17 000 balles. 17 000 balles. Tu rencontres ou pas? Est-ce que tu rencontres? Tant que Vénus, il l'a fait aussi. Merci pour votre confiance. C'était un plaisir. Faut que j'aille voir l'autre, là. Genre la meuf qui vient dans la maison au-dessus, là. De Préola. Bonsoir, Darknet, comment tu vas? Salut, Kirua. Salut. Salut mon mignon, Snack. Light New, hello. Hello, sir. Ah oui, c'est vrai que je peux pas venir en balai. Bah, du coup, on va contourner, hein. Et la maison. Est-ce qu'il existe plus accueillant que Préolard? Elle est en dessous, je crois. Vas-y, atterris, putain. Ah ouais, parce que c'est des rochers, il peut pas atterrir dans les rochers. Casse les bonbons. Ok. Et c'est... C'est ici ou pas? Ouais. Entrez. Oh, doucement. Il faut faire preuve de prudence ici. J'ai des tentacules avénéneuses.
Ma porte est toujours ouverte. Revenez quand vous voulez. Adieu, merci pour les 21 mois, frérot. Merci, merci. Qu'est-ce qui vend le... Les breuvages. C'était pas lui là-bas, là ? On va voir vite. Ah, Pipin, vous voyez que c'est Pipin qui vend les potions. Je t'aime, bébé. Is me do, thank you, sir. Merci, merci, mon frérot. Tiens, maintenant, je peux tout ouvrir maintenant. Eh, hey, tout à l'heure, celui qui m'a dit là que j'avais pas le crochetage niveau 3. C'est bon, t'es content? Allô, Omura. Allô, Omura, pour l'amour du goût. Tu te sens comment là? Tu te sens comme un con ou pas? Est-ce que tu te sens comme un con? Est-ce que tu te sens comme un gros con? Revelio. En fait, ça, ce qui me fait chier un peu dans le jeu, je vous dis la vérité, les gars, c'est que les niveaux 1, 2, 3 ne servent à rien, en fait, tu vois. C'est dommage, hein. Parce que dans le 3, tu trouves du stuff que tu aurais pu trouver dans le 2, tu sais. C'est genre... Ou dans le 1, c'est genre inutile, tu vois. Genre inutile. Préolard, me voilà. Réveillez-vous. Je fais couverture de coffre dans ce... Ouais, c'est... Pas déception, mais... À part les gros coffres que tu ouvres, là, tu sais, les gros coffres que tu ouvres à deux mains. Tu vois? À part ça, en vrai, les coffres, ça donne souvent un peu de la merde, hein, je trouve. Allô, Omura. Ouais, y'a que les coffres légendaires là, les gros coffres que t'ouvres demain là, tu sais, le coffre que j'ai ouvert tout à l'heure là, dans le labyrinthe. Y'a que ces coffres là qui sont genre vachement bien, tu vois. Un labyrinthe que j'ai pas pu ouvrir d'ailleurs. D'ailleurs, faut que j'aille le rechercher. 49$, c'est un niveau 3. Porte niveau 3. Vas-y, fais voir. La sortie. 14$, super. Let me move, wouhou! Pas les couilles, tu sais. En fait, tu dis, les mecs, ils ont mis du loot, mais ils ont mis tellement de loot pour que tout le monde puisse en fait trouver un peu de stuff, tu vois. Mais le loot ne sert à rien en fait. J'ai vu ce que vous avez fait. Quand... Ah, je supporte pas les voleurs. Rendez-moi ça. Rendre quoi, monsieur? Nous n'avons rien pris. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. J'en avais pris qu'un. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux? Je vous jure, ouais, que ça, monsieur. Ouais. Promis, monsieur. On se serait jamais permis de... Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos pétreries à Azkaban. Attendez un peu que j'en parle à votre mère. Il y a beaucoup de coffres, ouais. Vous êtes un peu dur. Il y a vraiment beaucoup de coffres. Salut Marquez, comment ça va? Oui, j'ai vu les modes qui sont drôles, ouais. Moi je me pratique Esti et Snake pour se débasser rapidement. Ok. Salut Promptox. Ouais, loot est aléatoire, ouais. Loot est aléatoire. C'est pas lui Pipin. Where is Pipin? Quelle maison? A ton avis. A ton avis. Bonjour Don, comment tu vas le frérot? Don of the street. Salut Tommy Tom. Trop de doutes, ouais. Mais malheureusement trop de doutes qui servent à rien. Et donc du coup t'es contraint en fait de les faire pour chercher les loots qui sont incroyables, tu vois. En matière de potions. Prenez le temps de regarder. On a dit quoi? Qu'il fallait quoi? Ça. C'est une sage décision, merci. Attention, il y a du rugis, invisibilité G. On va prendre deux au cas où. Ah, bah les couilles, tu vois. Et bah les couilles. Alors, tu vois, des trucs... J'espère vous revoir très vite. Forcément, on est hyper stuff, tu vois.
Adrien, salut toi. Comment tu vas? Pourquoi tu craftes pas? Craftes quoi? Je suis déjà millionnaire, gros. Tu craftes quoi? Poudlard. Go à Poudlard pour finir ça. Faire un truc de Quidditch. Nilfo, comment ça va? Par contre, les gars, je sais qu'il y en a qui ont fini le jeu parmi vous. Je vais pas foutre la merde. Mais allez-y. Genre, allez-y mollo quand même sur les. Sur les spoils, hein, parce qu'en vrai. Je sais que pour la plupart, vous avez fini le jeu, vous l'avez plié tout et tout dans tous les sens. Donc, juste respecter la découverte des gens. Qui, comme moi, en fait, l'ont pas encore fini. T'es beau depuis ton canapé, je sais, je sais. Mais je pense que je vais devenir. Ok, retournez voir Madame Kogawa, ok. Next. Utiliser. Ok, donc ça, faut que je le fasse. Et après, c'est quoi? Obtenir. Pour utiliser les brevets orage, ok. Ah, il me faut des ennemis. Il me faut des ennemis, les gars. Il me faut des ennemis. Et pour avoir des ennemis, je TP dans la pampa et c'est bon. Non mais les gars, je craft, hein, c'est juste que vous l'avez pas vu. Mais si vous passez genre une fois par semaine, forcément vous voyez pas le craft. Mais on craft, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas qu'on craft. Revelio. Ok, alors attends. Faire utiliser une tentacule avénineuse. L'encul. Wow. Je me fais mal de ouf. Oh oui. Rébellion. Oh oui. Oh j'achète. Oh, on va planter des. On va planter des tentacules vénéneuses là. Bah dans. Déjà j'aurais dû savoir parce que déjà dans tentacula, t'as enculé. Ah bah frérot, ça fait mal. Bum bum bum. Les ennemis, c'est comment là? On peut avoir des ennemis ou pas? Revelio. Ah oui, non mais ça fait hyper mal. Après c'est un petit ennemi ou quoi, mais même dans tous les cas, ça fait hyper mal. Et là, c'est quoi? C'est la mandragore. Ah, ça les stun. Oh, ok. Ofringo. Nervioso. Incendio. Damn. Ok, donc en gros la mandragone, c'est la mandragone. La mandragore, c'est pour stun. Pour de botanique dans la journée, ok. Et the last quest is la potion d'invisibilité, je crois. Ok, brevet orage contre les ennemis. Et potion d'invisibilité, ok. Revelio. Bah, je dois rechercher des ennemis. On est reparti. Des loups-garous, je sais pas du tout. Je sais pas. Répondez pas, les gars, s'il-vous. Ouais, on va aller voir les araignées. Il est qu'un ennemi. Attends, là-bas il y a des ennemis là-bas. Ok, nickel. Venez. Salem, Snap, j'espère que tu vas bien, ça fait longtemps, quoi de beau, émoticône, plein d'œil. Elle m'a touché là, genre. Oh, elle se touche. Oh, elle m'a soulevé. Non, mais gros.
Ok, en fait, j'aime bien leur façon de... J'aime bien la façon, en fait, qu'a le jeu de t'apprendre les sorts, tu vois. Il t'explique pas tout de suite, il dit, genre, utiliser en situation. Et ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça cool. Ok, donc le breuvage, on va le garder, parce qu'en vrai, ça coûte cher. Alors, pourquoi je les vois pas, là, les... Attends, pourquoi je vois pas, là, les souverales? C'est baisé, normalement je les vois. Ça pourrait être dangereux si je... Confringo! Legioso! Incendio! Repulso! Revelio! Y'a rien à pas? Ah, c'est une charrette magique, genre! Ah, ok. Non mais en fait genre je pensais qu'il y avait un sombrage, oui. Retourne voir professeur Sharp. Ok, donc là normalement je peux faire tous les cours, les gars. Là tchat, je peux assister à tous les cours à l'école. Retourne voir Kokogawa, c'est un cours de botanique, Sharp et c'est un cours de divination. Ok, let's go. On va commencer par Dissendo. Les gars tchat, ça va aller très vite. Je vous le dis, ça va aller très très vite. Bam, carte de Poudlard. C'est là-dedans. Bam. Non, ça, non. Pas ça. Ça. RP bon et mauvais. Mauvais. Je suis un chien, oui, mais... On peut pas être mauvais dans le jeu, malheureusement. C'est un jeu mode bisounours, c'est-à-dire que même tes réponses mauvaises sont bonnes, tu vois, et c'est dommage. C'est pas comme dans Fallout où t'as vraiment un choix, t'as une incidence sur la façon de répondre aux gens et ça impacte vraiment le jeu. Là, c'est pas tant que ça, c'est pas tant ta réponse qui importe en fait, c'est le temps en avançant la carte, appuie sur F, ok. Même quand je veux répondre comme un chien, comment il s'en arrive vite. Même quand tu veux répondre mal, en fait, il répond bien. Non, Arflou, je l'ai pas vu. Non, je l'ai vu. Bon, je vais le modifier dans les paramètres. Je cherche. Lui, t'as juste son télé. Lui, il est en récré. Putain, ça peut pas personne un peu rassuré. Ok. Okay. On va continuer. Qu'est-ce que c'est? J'espère que c'est de vous. J'ai terminé toutes mes tâches, professeur Onai. Très bien. Même si je dois l'avouer, j'avais quelque peu pressenti que vous honoreriez votre engagement. Maintenant que les tâches que je vous ai confiées ont affûté votre perception, je me pose une question. Puisque vous savez que le présent, et même le passé, peut être révélateur de ce qui vous attend, que pensez-vous que l'avenir vous réserve? Du sexe? Pardon. Ah, le pouvoir, les gars. Je vois de bonnes choses. Après tout, non. L'avenir m'appartient et je prendrai ce qui me revient. L'avenir n'est pas gravé dans le marbre. Les plus volontaires peuvent en changer la teneur. Et vous, vous ne semblez pas manquer de volonté. Mais ces considérations ne doivent pas nous faire oublier votre succès présent.
J'informerai la directrice adjointe de votre performance tout à fait exemplaire. Et si cette performance est un aperçu de ce que l'avenir vous réserve, alors pour ma part, je vous prédis de grandes choses. Canalisez votre magie vers votre cible. Ça marche, Madame Onei. All right. Done. Vous le maîtrisez. Et maintenant, pourquoi ne pas essayer le sort sur un mannequin d'entraînement? J'aime bien ce jeu. Il est vachement bien. Je laisse un pouce bleu. Et mal le pouce, mal le pouce. Faut que je fasse quoi? Descendo? Attends, je vais les aider. Descendo. Non? C'est la chance du début. Excellent. Je crois que vous avez compris. Donc on peut faire un Levioso et Descendo. Allez, salut. Merci beaucoup. Poursuivons les gars. Ouah, j'ai tout baisé. Hein? Glacius, Hemidus. C'est dehors? Non, c'est à l'intérieur, je crois. Débloquer? Ah non, ils se démerdent. Non mais les gars, c'est de la magie. Salut, Rakam. Les gars, c'est de la magie, ils sont pas bloqués. Ne croyez pas qu'ils sont bloqués. Je croyais qu'il fallait beaucoup de précision pour le cours de potion. Mais ce n'est rien. Bisous, Snaku. C'est mon cœur. Merci, Psychose. Merci. Attends, quoi? Mais c'est où? Ah, c'est... Hein? Wouah, attends, je dois faire tout le tour là. Non, c'est de spin, ok. Ouais, retour de la co, ouais, ce matin. Retour de la co ce matin, très tôt. Je suis bien content. Hein. Je revis. Vous avez mené à bien vos différentes tâches? Oh. Revelio. Y'a un coffre là. Pourquoi je peux pas l'ouvrir? Ah, si. Allô, Omora. Eh, devant elle, j'en ai rien à foutre. Les gars, le non-respect. Bah les couilles. Hugo. Excusez-moi, chat. Des, tu vois, des gants éclatés, on s'en bat les couilles. $55, on s'en bat les couilles. Madame Kogawa, j'ai terminé la liste de tâches que vous m'avez données. Merveilleux. Je constate que vous maîtrisez de mieux en mieux votre balai. Oui, professeur. Je suis ravie de l'entendre. Continuez, et peut-être qu'un jour, vous ferez partie de l'équipe de Quidditch. Si Black autorise le Quidditch un jour. Bah non, parce qu'il n'y en a pas. Maintenant que ces tâches sont effectuées, nous pouvons commencer. Glacius. Concentrez-vous sur vos mouvements de baguette. Le cours le plus... Yo, ça va, tu me changes les idées au boulot, et ça, ça fait plaisir. Oh, merci beaucoup, frérot. C'est gentil, au boulot, hein. Ça me rade au boulot. Hein. Ah, bravo. Ah, bravo, le rôdeur. Merci pour les 2 mois. Merci de continuer l'aventure avec nous, frérot. C'est le boss. Salut, merci beaucoup. Le cours le plus. Je vous suggère de vous entraîner à ce nouveau sort. Ça marche. Ah merde, faut que je le fasse, c'est vrai. Faut que je le fasse. C'était quoi? C'est Glacius. Glacius. Et voilà. Vous apprenez vite. C'est grave lourd. Merci beaucoup. C'est gentil. Ouah, le speedrunner de l'extrême. Le speedrunner de l'extrême. Ah, chat, ça va vite. Hein. Ah, chat. Ah, saint. I'm back. Bonjour, Snack. Mon prime remarche enfin. Hey. FBG, comment tu vas, frérot? Merci, BG. Jouez. Merci, mon ref. Ah ouais, j'ai pas le temps.
Wow. Attends, elle a fait pleuvoir dessus un truc. Est-ce que ce serait une femme fontaine? Nelsa Quidditch, une comique, je sais pas, on verra. C'est un enchantement de vous revoir. Je suis depuis Wallbox. Merci beaucoup, Lara Tactique. Merci, mon ref. Gentil. Let's go. Tac. J'ai terminé tous mes devoirs, professeur. Ravi de l'entendre. Le professeur Weasley le sera aussi. Je lui ferai savoir que vous vous débrouillez bien. Merci, professeur. Vous avez appris les vieux sauts avec le professeur et Kat. Ouais. Vous devriez réussir à apprendre un sortilège de lévitation un peu plus technique. Wingardium Leviosa requiert un peu de concentration et un joli mouvement de baguette bien gracieux. Voyons si vous y arrivez. Ok. Je vais essayer, les gars. Si vous appliquez, vous devriez pouvoir soulever des rochers comme s'il s'agissait de... Abracadabra ! C'est mime. Il me termine, je te jure. Eh, c'est mime, il me fume. C'est mime, me fume. Vous voyez les trucs là, genre... tu sais, les trucs... faut que ça soulève elle, du coup. Ça, de l'évitation, mais quand j'aime lever ça, permet de faire léviter et déplacer les objets. Contrôler la position de votre déplacement avec... avec F-V-A-E. Mais attends, c'est quoi ce truc de... Ah ! F-V pour monter, descendre, et A-E pour tourner, c'est ça ? Je pense. F-V-A-E. Ouah, sa mère. C'est là où tu vois que c'est un jeu console, tu vois. F-V-A-E, putain. Ok. Bravo! N'hésitez pas à vous entraîner à Wingardium Leviosa dans la serre. Je vous ai mis des caisses à disposition dans la salle d'à côté. T'as débuté une nouvelle histoire où tu... Bah non, j'ai pas recommencé le jeu, les gars. Je l'ai même pas... Les gars, on est vraiment au tout début, hein, je... Pas foutre la merde, mais en vrai, on est... Enfin, tout début, non, on a un peu avancé, quand même. Je vais pas faire le mec, tu vois, mais... En vrai, ici, est-ce que je planterais pas autre chose? Mais tu peux y aller, golem. Attends! Ah, les gars, faut que j'achète les gros pots. Parce que j'ai envie de faire pousser des... Pas les mandragores, les tentacules vénéneuses. C'est quoi? Ça pousse dans quoi? Pot de grande taille. Ok, faut acheter des pots de grande taille. Ok, faut en acheter des pots de grande taille, les gars. J'ai envie de faire des... Non, mais c'est très fort. C'est tellement fort, les tentacules vénéneuses, là. Genre, c'est des tourelles, ça one-shot. C'est genre... Mais gros, on a même pas commencé de ouf. L'autre, il a dit, genre, t'as déjà fini. Mais frérot, calma. Genre, en même temps, on a la co un jour sur deux aussi, putain. J'arrive pas à avancer comme je le voudrais, tu sais. Moi, c'est juste que... moi qui ai pensé le jeu en deux jours. Ah oui, non, t'as peut-être dû le finir en deux jours, hein, peut-être, ouais. Mais ici, c'est pas le cas, frérot. Je te dis, ici, c'est pas le cas. Donc, tu vas fermer ta gueule. Et pour la peine... Oh, mon gueule, mon... Il me faut le soundboard. Il me faut que je trouve le soundboard. Il me termine. Tu sais, genre, first day in Hogwarts. Genre, premier jour à Hogwarts. Tu sais, la meuf, elle arrive avec son chariot. Vous voulez des bonbons, des confiseries? Oh, mon gars, non. Ça me fume. Genre, ça me termine. Avez-vous terminé vos devoirs? J'ai terminé ce travail, professeur. Eh bien. J'espère que vous vous appliquez. Les raccourcis mènent bien souvent à des déceptions. Je ne sais pas si je me suis appliqué, mais j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Si vous espérez vous améliorer rapidement, je crains qu'il ne vous faille faire un minimum d'efforts. Le talent et la volonté forment un duo redoutable. Il serait dommage de ne pas en tirer parti. Merci, professeur. Tâchez de ne pas prendre la grosse tête. Bon, voyons votre Diffindo. Préparez votre baguette. Concentrez-vous. Diffindo peut être dangereux si vous ne prêtez pas attention. On va chercher une baleine, les gars. C'est mon goûter. John Wick de Poudlard. Ça me fume, putain. Oh non!
Un doigt. Un doigt. Beau travail. Je pense que vous avez compris comment fonctionne Diffindo. Je vous encourage une nouvelle fois à vous entraîner en classe. Pour votre sécurité. C'est quoi ça? Ah! Le truc qui est en taille là. Diffindo. C'est un plaisir d'avoir un élève qui suit scrupuleusement mes consignes. Wow! Ça a l'air balèze. Ça a l'air vraiment balèze. En fait, en gros, tu cumules ça. Ah merde. Ça. Fringo. Avec ça. Comme je l'ai mentionné, ah ouais, Diffindo c'est fort. Est polyvalent mais également dangereux. Ravi de vous voir vous entraîner. Ok. J'ai le avant. Ah ouais? Classique. Gel. Confringo. Confringo. Diffindo. 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 Baisse sa mère. Mort. Ok. Next. Bon, genre, ça c'est des quêtes annexes, les gars. On les fera, mais pas maintenant. Retrouver Sébastien. Allez parler à Drainage et Chic. Je vais devoir parler à Sébastien, mon frérot. Attends, en fait, ça dépend. Genre, la quête la plus proche, elle est où? Ouais, mais. Wesh, frérot. Il m'a donné rendez-vous à l'autre bout du monde, lui. Il est sérieux? Ok, et l'autre, elle est où? Chirsant pour m'excuser, chef. Quoi? T'as fait quoi? Genre, go d'abord faire celle-là, les gars. T'as fait quoi? Merci beaucoup. J'ai la ref. Mais tout le monde a la ref. Celui qui a pas la ref, c'est un mytho. Mamad Rod, elle la connaît. Ouais, merci pour lui, moi, frérot. Merci beaucoup. Merci, Vindict. Genre, il a fait quoi? Il a spoil? Moi, j'ai pas trop accroché à ce jeu. En vrai, je peux comprendre que t'accroches pas. Chic est très heureux de vous voir. Chic a remarqué ce sac dans la salle l'autre jour. Vous en aurez sûrement besoin pour Chirsant, vous... Chirsant, non, j'ai pas spoil. Je me suis juste pris un TG du Turfu Kappa. Chic appelle ça un sac de capture. Oh. Il sert à récupérer et transporter des créatures. Une brise bienvenue. J'ai réfléchi à ce qu'a dit le professeur Owen pendant le cours sur les créatures magiques, que je devrais étudier un maximum de créatures durant mon temps libre. Elle a aussi précisé que des braconniers étaient actifs dans la région. Ces créatures seront peut-être plus en sécurité avec nous que dans la nature. C'est exactement ce que pensait Chic. C'est un... Vous voyez, la salle savait exactement ce qu'il vous fallait. Et par chance, Chic peut vous dire où c'est et tout, comment c'est la salle. Utiliser le sac de capture. Attends, mais c'est du Pokémon le jeu? Attends, quoi? Non mais... Par ici, je vous prie. Ah oui, parce qu'il y a une table. Parce qu'il y a la table, et la table, elle est invisible. Notre première étape se trouve hors des terres du château. Nous pouvons y aller maintenant, ou vous pouvez y rejoindre Chic quand vous voudrez. Vas-y, on y va. Apprenez-moi à me servir du sac de capture. Parfait. Chic se charge de tout. Il m'a soulevé le Chic. Oui, parce qu'en fait, normalement, j'ai plein de tables, et pour la cinématique, ils ont enlevé les tables. Tu vois, pour pas que ça nique la cinématique. Mais du coup, typiquement, quand on est revenu en jeu, en fait, les tables étaient de nouveau là, donc du coup, ça m'a mis en hauteur. Un vil braconnier. Chic a détesté devoir le servir. Chic peut encore sentir le sang de ces créatures sur ses mains. Oh.
C'est à cette époque que Chick a vu un sac de capture pour la première fois. Oh, il serait agréable d'en utiliser un pour faire le pire. Non mais Chick, il a des mollets, il a des chevilles. Il part de lui à la troisième personne. Nous sommes arrivés. C'est un baiser. Chick adore venir ici pour observer ses créatures. Surtout le groupe de boursouf non loin. Je serai heureux de les voir en sécurité. Il vous suffira de vous approcher avec le sac de capture ouvert en direction du boursouf pour qu'il y entre. D'accord. Ok, ils ont récupéré des grâces magiques en grâce absurdité. Basé au curseur, ok. Faut utiliser pour récupérer et transporter des créatures. Go mettre ça là. Eh, hey, j'aimerais acheter une quatrième ligne là. Vas-y. C'est bon. Hello. Je mets quoi? Ah, il faut les cibler, ok. Inutile de compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. C'est littéralement Pokémon en fait. Merci Grobert, merci pour les 3 mois. Là, je ne te ferai pas de mal. Mais c'est hyper simple, y a rien de difficile en fait. Owen ne me croira jamais. Mais y a rien de difficile en fait dans l'histoire. Genre tu t'approches d'eux, t'appuies sur la bonne touche pour sortir le sac, t'attends que ça charge, t'appuies sur F. Revelio. Mais encore? Non, j'ai tout sucé les gars. J'ai sucé toutes les boules. J'ai réussi à récupérer un boursouf. Vous pouvez en sauver autant que peut en transporter le sac de capture. Les braconniers capturent les boursoufs et Chick ne sait pas ce qu'ils font avec. Bonne journée. Chick sait qu'ils seront plus en sécurité avec vous. Toutes les créatures ne seront pas aussi simples à capturer. Merci. Que le boursouf. Pour la suite, Chick vous suggère de capturer une créature volante. Un Jobarbi, peut-être. Très bien. Où puis-je en trouver un? Chick sait qu'il y en a à l'ouest, niché dans un arbre qui surplombe Poudlard. Mais il faudra faire attention. Chick a vu des braconniers dans le coin. Chick vous y retrouvera, quand vous le voudrez. Plus ils sont gros, plus ils sont difficiles. Ok. Mais j'en fais quoi? Je fais quoi de ce que je capture? Genre, faut que j'aille les relâcher ou pas? Ou est-ce qu'ils sont automatiquement TP? Faut aller là-bas, là? Voilà, écoute-moi bien. Alors, écoute-moi bien. On va directement... On peut pas. Bah, vas-y, c'est quand on se fait... On se fait un petit voyage, les gars, on se fait un petit voyage. On se fait un petit kiff. Ah, on les mange, ok. Tu verras, tu poses trop de questions. Ok, ça marche. Ok, ne dites pas. Oh putain, je pose tellement de questions, je suis tellement pertinent comme garçon. Oh là là, j'aime trop ça, moi, la bite. Un mec chelou un peu comme ça. Mais lui, il TP, lui, c'est un bâtard aussi. Il va trop vite. Bonjour, Chick. On continue? Oh, excellent. Chick se faisait du souci pour vous avec tous ces braconniers qui traînent. Nous devrions peut-être faire vite. Les Jobarbis sont juste là, dans ce gros arbre. Chick a déjà vu des sorciers utiliser l'Evioso pour ralentir des créatures volantes et faciliter leur capture. Alors, je vais essayer de sauver un Jobarbille. Bonne chance, Chick attendra votre retour. Oh non, c'est pas vrai.
descendre ça, mais je peux la descendre, non? Attends, mais... Mais je vais la descendre, je vais lui dire genre... Descendo. Sans ta mère, voilà. Va plus vite, non? Au bout de se casser les couilles. Oh, alors lui, là en haut, là. Intéressant. Merci, le Renard TV. Faudrait que je monte un peu le volume, ce son. Intéressant. Ils sont tous loin, là. Descends, là, putain, descends. Oh non, merde. Oh merde, je suis mort. Descendo. Propos d'AWSH, l'ancien Valentin. Putain, mais... Ça me casse les couilles. Ils sont où, là? Revelio. Descendo. Voilà. Je veillerai bien sur toi. Mais bon, non, je veux pas tous ces captures, ils m'ont cassé les couilles. J'ai récupéré un Joe Barbie. Attends, comment tu vas? Chic espère que votre Joe Barbie appréciera le confort du sac. Les braconniers en ont après leurs plumes, et ils n'y vont pas de main morte. Y a-t-il d'autres créatures dans les alentours? Chic a découvert l'existence d'un troupeau de vaudelune. Ils vivent dans une clairière au bout de ce chemin. Chic vous retrouvera là-bas. Mais lui, il aime trop, il aime vraiment trop ce TP, hein. C'est grave. Même les braconniers respectent mieux les animaux. Attendez, vous êtes en train de dire que vous insinuez que je les respecte pas? Bon, je te TP déjà. J'ai toujours dit que voyager ouvrait le... Bonjour, Chic. C'est la clairière dont tu parlais? Oui, les vaudelunes se rassemblent près du grand arbre au motif en spirale, mais seulement la nuit, à la lumière de la lune. Malheureusement, à moins que vous soyez capable d'accélérer le temps, vous devrez attendre la nuit pour les voir. Alors je vais trouver un vaudelune. Chic attendra votre retour. Et voilà, je vais mettre sur toi. Ah ouais, je te jure. T'inquiète pas, je vais mettre sur eux. Attends, du coup, faut que je mette la nuit. Vous aimeriez apprendre le sortilège du repousse-tout, Flipendo? Une fois que vous aurez terminé les tâches nécessaires, venez me retrouver dans la serre. Ah, c'est les têtes de bite. Je crois que vous êtes en mesure d'apprendre Arresto Momentum, le sortilège de ralentissement. Il permet d'arrêter des objets ou des personnes en plein vol. Effectuez d'abord quelques tâches, puis venez me voir. Ah, pour les piafs? Peut-être pour les piafs, non? Allez, viens. Ah, mais attends, mais je sais. Tu veux bien coopérer un peu? Glacius! Quelle sa mère déjà? Viens ici, mec. À quoi tu joues, mec? Tout va bien à présent. À quoi tu joues, mec? À quoi tu joues, mec? Ouais, donc en gros, t'as un pouvoir à utiliser en fonction de qui tu vas attraper, genre glacer, les geler pour les trucs. Arrête au momentum, à mon avis, c'est ce qui va tout me permettre de capturer absolument tout, tu vois, je pense. Il a été plus difficile à capturer que les autres, mais maintenant j'ai un vaudelune. Une autre créature a été sauvée. Dommage qu'on n'ait pas vu les vaudelunes dans ce... Ah, les vieux sous pour les piafs. C'est okay. Très beau. Chic suppose que vous avez terminé. Vous pourrez sauver plus de créatures, mais rapportons déjà celles que vous avez attrapées dans la salle sur demande. D'accord. Chic vous retrouvera dans la salle sur demande quand vous le voudrez. Mais non, mais je vais pas faire une serre, gros. Non, mais... Non, mais frérot, genre, il veut vraiment qu'on mette tous dans la salle sur demande, là? Attends, je les capture tous. Oh, ça va être le bordel. Oh, sa mère, ça va être le bordel. Ça va être un zoo. Oh, ça va être... Les gars. Réveillon. Ça va être un zoo. Ils sont où? Ils sont où tes deux bits? Ils sont là. Attends, est-ce que les vieux sauts, du coup, ça devrait marcher pour eux ou pas, tu penses? Merde, j'ai mis le mauvais. Les vieux sauts!
Non, mais pas lui. Tout doux, tout doux. J'essaye seulement de t'aider. Là, là. Je ne te ferai pas de mal. Il a dit que voilà, je te ferai pas de mal. Ça marche plus tout. Ah ouais, sérieux? Et quand tu me l'as vu, ça t'as dit? C'est où? Pourquoi je l'ai pas? Entre. Rebellio. Wingardium Leviosa. Ah ouais. Calme-toi. Je ne te veux aucun mal. Revelio. Je ne veux aucun mal. Oh, il y a un aigle. Vous avez vu, il y avait un aigle. Wingardium Leviosa. Pas lui. Ah, mais il troll. De compliquer les choses. Je ne te veux pas de mal. Yo, Pépin, comment tu vas, frérot? Envoie un avocadora et c'est réglé. Ne me croira jamais. Frérot, j'ai pas encore le sort. Quand je vais la voir. Revelio. C'est plié, hein, je vous dis. Hein. Quand je vais voir le sort là. Wingardium Leviosa. Revelio. Il reste encore un ou deux, non? Deux. Wingardium Leviosa. Mais tu vois, genre, ils ont dû faire un type de kitou différent, tu vois. Là, tu spam F, en fait. C'est-à-dire que là, genre, tu fais juste, genre, 3-4-F, 3-4-F, 3-4-F. Je veillerai bien sur toi. Revelio. C'est dommage, genre, ils ont dû mettre des, tu sais, des touches différentes, tu vois, pour te forcer à avoir un truc, tu vois. Mais ici, fils de pute. Wingardium Leviosa. Tu vois, tu spam, tu spam F et tu captures tous, en fait, tu vois. Bien à présent. Du coup là j'ai fini cette zone ici. Revelio. Mais encore? Non, j'ai tout je crois. J'ai capturé tous les... Cuffy à gland. Non, ça c'était les piafs. Plus vers là-bas je crois, non? Mais tu vois, il y a, comme je disais hier, tu vois, il y a plein de trucs, tu sais, il y a plein de trucs qui, où ils ont trouvé de super bonnes idées. Il y a quand même plein de trucs où ils ont quand même chié un petit peu, ils ont quand même un peu chié dans la colle, je trouve, d'un point de vue feature et mécanique, tu vois, je trouve qu'ils auraient pu améliorer plein de trucs, en vrai, tu vois. C'est quoi, cette espèce secrète, celle sur de moi. Content d'avoir que des F, mais non, mais c'est chiant. Ouais, c'est un jeu pour enfants, c'est relou, alors que j'aurais aimé avoir des cultures différentes, tu sais, genre. Voilà. Il faut introduire les créatures que vous avez sauvées à leur nouvelle maison. Mais il n'y a pas assez de place pour elles. Du coup, on va les grailler. Imaginez toutes ces créatures en liberté, ce serait une catastrophe. Si vous vous concentrez sur ce dont vos créatures ont besoin, la salle pourrait vous le fournir. À quoi avez-vous pensé exactement? Ah! Le jardin! Incroyable! Vous avez réussi! De quoi s'agit-il? Chick n'est pas sûr. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Je serai à l'intérieur quand vous serez prêt. Ah mais l'autre, j'ai ce que je dis depuis que j'ai commencé le jeu, ce que je dis mec. J'adore le jeu, je kiffe l'univers et tout, mais il y a trop de trucs, tu sens que ça a été genre
juste effleurés à la surface, tu vois. Ils sont pas rentrés dans le fond de plein de trucs. C'est dommage. Parce que tu sens qu'en fait, c'est ça. Très simple. C'est incroyable. Où est-ce qu'on est, Chick? Il semble que ce soit d'un lieu où vos créatures peuvent vivre, une sorte de vivarium. Vos créatures vont beaucoup se plaire ici. Elles mèneront une vie sûre et paisible. Vous voulez peut-être les relâcher? Les gars, elles vont découvrir leur nouvel habitat. Je vais tout capturer. Les gars, je vais tous les capturer. Je vais tout ramener ici. Ok. Un bon souffle, un jardin, un voisin qui peut t'ajouter. Ok. C'est limité encore. Oh, ils ont fait limite pour les fous comme toi. Sera parfaitement adapté à vos créatures. C'est vrai. J'espère seulement que nous aurons assez de place pour chacune. Mais je suis pas un fou. Chick l'espère. Mais si vous venez à en manquer, Madame Peck de chez Pic et Peck à Préolard vous aidera à leur trouver un bon foyer. Y a-t-il des créatures qui ne rentrent pas dans la salle? Oui. Elle a la réputation d'aider les créatures en danger. D'ailleurs, les créatures bien nourries et bien soignées vous fourniront des matières premières magiques précieuses. Y a un mode. Comme des poils de boursouf. Si vous récoltez suffisamment de matières premières magiques, Chick vous montrera comment les utiliser. Parfait. Je te préviendrai lorsque j'en aurai. Les créatures magiques vous fourniront des matériaux de propriétés magiques. Une voiture, ok, bon, ça permettra d'obtenir soin, ok. J'ai pas eu combien, ok. H. Pour cette créature, quelle est une matière première pourrait-elle dans votre équipement? La créature timide rappelant vous aux yeux immenses. Vous pouvez pas danser quand la lumière. Lune éclaire le sol. Ok. Et les boursouf, ils se proposent quoi? Féru de crotte de nez. De bons amis de compagnie. Ok. Ça veut graille là? Ça veut graille? Là, il me faudrait une quatrième ligne là. Attends. Alors, est-ce que je peux acheter une quatrième ligne ou pas, les gars? Est-ce que je peux acheter une quatrième ligne? Ok. Tac tac, on avait dit lumière et ça. Et là, on remet réparo. On enlève ça aussi. Et là, tac tac tac, on peut mettre autre chose ici. Thank you.
Vous du shit, les gars? Du shit, du bon shit de sa mère. Tenez, graille, 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 les gars, graille. Du shit, toi, toi. Le shit, le pire. D'avoir mis les compétences, on fait ça. C'est une solution de facilité, je trouve. Après, en vrai, il y a tellement de trucs. Oui, on peut changer tous les trucs, je suis d'accord. En fait, tu cours et tu spams dans tous les sens. Chick, trouve tu veux du shit, vous en sortez bien. Chick, tu veux du shit ou pas? Chick, tu veux un peu cheat aussi, fils de pute. Et chat, genre, c'est quoi le cœur? C'est quoi le cœur? Ou je les caresse, genre? Je les brosse? Et là, du coup, ils ont un cooldown, c'est ça? De 25 minutes. Ok. Réveillon. Alors, mon pote, je vais aller te ramener une chier de trucs. J'ai récupéré des matières premières magiques, Chick. Chick va vous montrer comment les utiliser. F, ah, c'est H pour vision globale, ok. Par invoquer un métier à tisser enchanté à l'aide de ce créasort. Un métier à tisser enchanté? Exactement. Vous pourrez tisser vos matières premières magiques directement dans les fils de vos vêtements. Et ainsi, leur octroyer bien des propriétés utiles. Pourquoi ne pas essayer? Chick pense que le métier à tisser vous apportera satisfaction. Très bien, Chick. Je vais essayer le métier à tisser. Salut Dreams, comment tu vas? Attends. Du coup, c'est ça. Élément de plein air, du coup, c'est ça? Non, pas du tout. Attends, enclume, puis à souhait. Liste de construction. Ouais, tellement de trucs en vrai. Sol et surface. Ouah, mais. Oh. La boue, la terre, des petites dalles et tout, des planches. Wouah, c'est trop stylé. Trop stylé. Les gars, comment on fait sortir? Ah, c'est à l'intérieur. Ok, ok. Je pensais que c'était à l'extérieur. C'est numéro, comment tu vas? Et je mets ça. Et on va le faire al. Bureau, métier à tisser. On va le faire ici, les gars. Ajouter un vêtement, améliore un vêtement. Oh! Jure, ça sert à ça, du coup! On dispose d'un compteur principal pour les attaques offensives et défensives. Utilisez des matières premières magiques sur le métier à tisser enchanté pour améliorer votre équipement et ajouter un deuxième compteur de statistiques et de payer des attributs. Vous pourrez sauver des animaux, de nouveaux animaux dans le repère des créatures, ok, et dévorer lors des quêtes. De nouveaux attributs peuvent être obtenus auprès des commandes bandits. Ah, c'est ça, du coup. Ok. Ça reste là, les attributs, ok.
Du coup, imaginons qu'ils prennent ça. Affiche des attributs. Ah, alright. You can choose whatever you want, dude. Ok, donc là tu vois, c'est juste de la fourrure de boursouf, tu vois ça. Ça, c'est des plumes de Dirico. Dirico. Et cet attribut est trop puissant pour cet objet. Ah oui, parce qu'il est niveau 3. Ok. Prenons un truc niveau 3. Ça. Est-ce que je peux le changer du coup? Et ça, il faut une fourrure de flaireur. Ok. Et après, des trucs que j'ai pas encore découvert. Il y en a combien? Il y en a 66 que j'ai pas encore découvert. Ah ouais. Il y en a une petite chier. Ah, du coup, ça, le 1, 2, 3. D'accord. D'accord. Protection amphibienne 1, c'est quoi? Attends, je veux voir ça. Mais je veux juste le voir, je veux pas le mettre, je veux juste le voir. Les gars, je veux juste voir ce que ça fait. Ah, mais je suis con. Dégâts infligés par les frangieux réduits. Ok, c'est écrit en bas, je suis bête, ok. Et le 2, dégâts infligés par les frangieux grandement réduits. Ok. Ouais, 1, 2, 3, donc en gros, c'est juste le niveau du spell. Okay. Ouais, j'ai pas vu que c'était marqué, ok. Ok, okay. Bah du coup, c'est cool parce que du coup, on peut changer ce qu'on veut pas. Sauf que j'ai des trucs qui sont vraiment cool. La situation écrite avec Diffino, attends. Et est-ce que du coup... Basis pot des fleurs. Ah, donc tu peux trouver des habits avec des attributs que tu n'as pas encore débloqués. Par exemple, tu vois, la serration 1, je l'ai pas. Je veux que je prenne ça. J'ai pas la serration 1, tu vois. Donc, en gros, tu peux trouver quand même des habits qui ont des attributs que tu n'as pas encore découverts. Ok, et auquel cas, faut pas trop y toucher, en vrai. D'accord. Dégagé par les araignées réduits. Ok, j'ai compris. Nuage, comment elle va? Comment tu vas? Picsou, ça va et toi, frérot? Comment tu vas? Eh, hey, Picsou, prépare le stuff pour ce soir. J'arrive, on arrive ce soir. Après le match, les gars, Dark and Darker. Donc, préparez ce soir le stuff. Merci, Gabin. Merci, mon frérot. Vraiment, tu peux améliorer aussi ton équipement. Bonjour. Quel est ton avis sur le jeu? Je sais pas. Vu sur le jeu est cool. Juste des petits trucs par-ci par-là à revoir, mais sinon, le jeu est très cool. Attends, j'ai juste récupéré, les gars, ma. Allez, les gars, je vous dis, hein, j'ai. Ceux qui vous disent que tu fais pas de plantation, frérot, appelle-moi Heisenberg, quoi. Eh, hey, vous avez vu la pub là de Breaking Bad sur les chips au Super Bowl, vous avez vu ou pas? C'est tellement stylé en vrai. Tellement smart. Et 3000 fois, donne son avis sur ce jeu, mais ce jeu. Ouais, bon, après ça me dérange pas, c'est ok. Genre, du taf, ça va, contente d'être chez soi. C'est bien passé? Est-ce qu'on peut crafter des trucs? Attends, j'ai combien de potions? J'en ai 22. J'en ai 22. Je vais voir si je peux crafter des nouveaux trucs. Faudrait que j'ai les formules, les gars. Faudrait que j'ai les formules. Ah bon, voilà, je l'ai. Ah non, j'ai pas la formule, ça il me le faut. C'est tellement fort, breuvage. Les dégâts infligés par les sortilèges des personnes qui boivent. Ça il me faut ça, là, en vrai. Faut que je fasse ça. Ouais, Doritos, ouais, ça. Non, c'est pas les Doritos. Non, c'est pas une pub pour les Doritos. C'est une pub pour un autre truc. C'est pas les Doritos. Mais la pub est trop marrante, en vrai. La pub est trop stylée. Ce plan jusqu'à la fin du jeu. Attends, est-ce que tu veux confirmer, s'il te plaît? Tu veux me confirmer que j'ai cette plante, s'il te plaît, jusqu'à la fin du jeu? Est-ce que les mauves douces, j'en ai assez pour faire tous les défis de Merlin ou pas? Est-ce que les deux feuilles de dictam, j'en ai assez pour faire assez de potions jusqu'à la fin du jeu? Est-ce que vous pensez qu'on est bon? Ouais, Popcorner, c'est ça, Popcorner. Popcorner, 482, ah frérot. Quand tu me connais, quand je me mets dans un farm de trucs, gros, je blague pas. Hein. Et encore là, je me tâte là, ici, tu vois cette salle là. On va clairement virer là, les petites chaises, la table au fond. Et ça va partir en plantation encore et tout. C'est clairement pas fini, hein, je vous le dis.
Mais en termes de nombre de tables... Non, t'as un plafond. T'es plafonné. Edward Elric, merci pour le prime. Bienvenue, frérot. T'es limité. Potion. Table moyenne. Tu vois, genre, en fait, tu vois, en haut à droite, il écrit 4 sur 7, tu vois. Donc, non, sinon, ce serait trop baisé, tu vois. Tu écris tout, tu vois. On pourrait jouer le cooldown. Oui, c'est vrai. Là, j'aimerais péter ça et faire une autre salle derrière. J'aimerais agrandir et faire un loft. Ça va devenir un loft ici. Ah merde, merde, j'ai la quête, je peux pas, faut que je la fasse en fait, ok. Ajouter, imprimer un vêtement, améliorer un vêtement, ok. Alors, comment on améliore? Clic droit, voir amélioration. Oh, tu rajoutes, salut, okay. Grand fou, les mots d'ose, le chat master, love master, force master, Gotilla. Comment tu vas, merci pour les 25 mois. Nicolas, merci pour les 8. Epitao, merci pour les 9. Amine, merci pour les 18. Ça va, Nuage, tranquille, boy, toi. Comment tu vas depuis le temps? Eh, les gars, en vrai, là, c'est cool parce que du coup, ça veut dire que tu peux augmenter tes perks, tu vois. Quand t'as pas d'amélioration qui est appliquée, tu peux. Genre, là, tu vois, genre, allez, ici, il y a de la défense, mais pas d'offensive. Et là, c'est l'inverse. Il y a de l'offensive et pas de défense, tu vois. Donc, du coup, tu peux améliorer ce que tu veux en fonction de ce que tu souhaites, en fait, tu vois. Genre, par exemple, imaginons. Genre le chapeau, tu vois, il est nul. Parce qu'en vrai, il a que anti-venin et je m'en bats les couilles d'anti-venin. Go améliorer celui-là. On passe à 4 en offensive. Comment on améliore? Ok. Et on peut encore améliorer. Ok. Tu peux encore améliorer. Et du coup, il passe de 4 actuellement à 12. Et pour le coup, il faut des plumes et de la fourrure de nifleur. Ok. Et t'as 3 améliorations possibles. Ok, donc là, on a déjà fait une, il en reste 2. Ok, j'ai compris. Attribut, go lui mettre un attribut en vrai. Genre, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Des gars crus avec Incendio, ça peut être bien ça en vrai. Ça en mode caché, genre que vous armement accru. En jeu accru. Ouais, go mettre Incendio en vrai. Hein. Go mettre Incendio. Au pire, on peut changer, hein, c'est pas grave. On peut changer, mais d'accord. Attribut. Ouais, tu vois, je peux changer comme je veux. Ça, c'est bien. Ok, c'est cool. Je devrais montrer ça à Chick. Ok. Le chapeau. Équiper ça. Oh! Ça rappelle Harry Potter 1, l'autre là, comme il s'appelle. Le mec là, avec son crâne derrière la tête. Ok. J'ai utilisé le métier à tisser enchanté. Magnifique. Pourrais-je tisser de la magie encore plus puissante dans mes vêtements avec le métier à tisser? Oui! En sauvant des créatures plus puissantes. Mais pour le moment, Chick vous suggère d'explorer le vivarium pour apprendre à connaître les créatures déjà sauvées. Ok. Mais dis-vous, vous avez tous les vêtements? Le métier à tisser peut-il améliorer n'importe quel vêtement? Non, seulement les vêtements de qualité supérieure. Vous trouverez sûrement d'autres vêtements exceptionnels au fil de vos explorations. Chick sait également que certaines boutiques de Préolar vendent des vêtements qui peuvent être améliorés. Salut monsieur Diguan, comment tu vas? Le jeu est en solo les gars, et pas de multi. Hein. Pour ceux qui disent qu'il est en multi, le jeu est uniquement solo. Merci pour ton aide, Chick. C'est uniquement du solo, les copains. Il n'y a pas de multi. Enfin, du moins, pas pour le moment. Peut-être que plus tard ils en feront, on sait pas. Il n'y a pas de news ou quoi. Mais on sait pas. J'ai eu un défi fini. Ah, attendez. Next. C'est pas Call of, les refs. Non, mais. Tu sais, ça aurait pu être en multi, effectivement, ou en coop. Mais y a pas de multi, les gars. C'est uniquement un jeu solo. Uniquement solo. Next one.
Ah, j'ai encore des devoirs. Arresto Momentum et Flipendo. On continue. Retrouver Sebastian Fellcroft. Oui, j'ai vu qu'il y avait des modes sur PC. Ouais, j'ai vu. J'ai vu le Shrek et tout. J'ai vu. Y a pas un TP là ou un truc qui permet de t'as vu là. Un petit DLC Quidditch, ouais, peut-être. Hein, ils peuvent le faire en vrai. Hein, ils peuvent le faire. Hein, je veux dire, ça permettra aussi de relancer les ventes. Incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette. C'est pas con, tu vois, un DLC payant, tu vois, qui coûte genre 10 balles, tu vois. Et c'est reparti et tu refais du bif et surtout tu relances les ventes, tu vois. Tu sors ça dans 6 mois. Et peut-être un peu avant et bam, ça repart, tu vois. Peut-être pour le 2, je sais pas. Pour le 2. On peut passer par là, on est d'accord, dans la vallée là. C'est dans la vallée, on est d'accord. Question, les attributs pour le grade de stuff, c'est quoi les stats des tiers 1, 2, 3? Attends, question, les attributs pour upgrade le stuff. Tiens, 1, 2, 3, j'ai pas compris la pomme orange. Je suis pas sûr de comprendre la question. En fait, ça dépend de ce que tu vas appliquer, en fait. Ça dépend de ce que tu vas appliquer. C'est quoi ça? En jupileux. Dégage. Confringo. Ouais, ils sont balèzes. Glacis. Confringo. Confringo. Descendo. Encore. Y'a combien qui arrive là? Y'a combien qui arrive? Mettre les vieux sauts et descendo. Comme ça, je claque sa mère au sol. Les vieux sauts, descendo. On peut pas les soulever eux. Peut-être les petits. Attends, peut-être les petits en vrai. Attends. Les vieux sauts. Non, même pas en fait, ils sont trop gros pour être soulevés. Incendio. Confringo. Protego. Stupéfique. Confringo. Confringo. Incendio. Putain, mais ils sont relous. Protego, stupéfix. Confringo. Incendio. Non, pas lui. Ah, mais Mais Voldemort, c'est un con, hein, par rapport au... crapaud. Protego, Confringo. Incendio. Stupéfix. Confringo, Incendio. Ah,
que... Oh, ça fait mal de baiser en vrai. Ok, ça fait mal contre eux. Faut que je trouve en fait ce qui fait mal contre eux. Expelliarmus, c'est pour désarmer, ça servira à rien. Donc là, là en tout cas, on a une belle brochette. C'est quoi ça? Confringo. Defendo, ça marche bien. Donc là, les trois marchent bien contre eux. Peut-être Frio. Confringo, Incento. Protego, stupéfix. Confringo, Incento, Defendo. Ah ouais, tu fais l'enchaînement gros, ça fait tellement mal de ouf en vrai. Stupéfix. Lassius, Confringo, Incento. Oh ouais. En fait ouais, faut comboter de fou. Tu combottes et il y a moyen d'arriver à faire un truc violent, tu vois. Alors du coup dans ce cas-là, en fait en fonction du genre en fonction de ce que tu fight, t'es obligé de changer constamment tes sorts en vrai. Tu peux pas jouer avec les mêmes sorts, t'es obligé de t'adapter constamment en fait. C'est quoi ce lac? Pas ce lac, cette mare, genre ça à quoi là? What do we have here? Un truc de franju. Ah ok, donc c'est juste pour les mobs. Ok. Bon, je dois aller prendre ça. Comme ça, on aura un point de TP ici. On continue. Rip, savoir son down. Savoir de quoi? Savoir de quoi? Glacius plus Defend. Ouais, c'est ça. En fait, avec les ennemis, je pense qu'il faut juste... Après, soit tu regardes sur le wiki, enfin, tu sais, le truc, là. Le Lexi qui te dit, genre, tu sais, genre... Qu'est-ce que vous mijotez ? Genre, point faible, mais sinon, ouais. Dark and Darker. Ah, ok. Bah, les couilles. Donc, c'est pas down ce soir, ça me va. Ils peuvent down maintenant, et ils peuvent faire maintenant jusqu'à, genre, 22h, 23h. Je n'ai rien à foutre. Ah, je suis clairement égoïste, mais ce soir... À 23h, please don't touch the game, man, please, man. Personne ne doit échapper à ma vigilance cette fois. Vous avez... Oh, comme c'est gentil. Wesh, Denis Brognard. Confringo, Incendio. Incendio. Il a fait... Ah. C'est Denis Brognard ou quoi? Avec qui partager ma victoire. Revelio. Je te jure, j'ai l'impression que c'est Denis Brognard, gros. Ah. Il y a que le bestiaire pour les crapauds. Tu veux qu'on regarde? Vous voulez qu'on regarde un peu? Ennemi. Le franju épineux, je trouve que c'est de l'épineux, non? Ouais. Allez, environnement, je sais que je prends sa posture, Revelio, vous aide à trouver, ok. Lorsqu'il récupère un char, ils sont venus au sang de force qui les renverse. Lorsque la bouche est grande ouverte, il veut se. Peut-être utiliser lorsque l'angle charnue. What? Lorsque sa bouche est grande ouverte, le vieux saut peut être utilisé sur sa langue charnue pour l'envoyer dans les airs. What? Ok. Je savais pas. Ah donc c'est comme ça que tu le pètes hyper facilement en fait. Tu le soulèves dès qu'il ouvre la gueule, dès qu'il ouvre sa bouche, tu le soulèves et... Ah mais en fait faut trop lire en fait le lexique, c'est un truc de ouf. Ah j'ai limite... Wow, c'est beau ici. Damn. C'est vraiment joli. C'est ouf. Ouais, non, je savais pas. Ok. Les vaisseaux plus Defendo, tu les one-shot. Ah, parce que du coup, tu leur tranches la langue, c'est ça? For real, man. Oh, mec, tu me donnes envie d'essayer. Ah, vous me donnez envie d'essayer. YouTube! Je fais des bisous, prenez soin de vous, bonne après-midi, bonne soirée, je sais pas quand est-ce qu'on va regarder ça, je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour la suite des aventures. C'est Snaku, merci de vous d'avoir regardé encore, j'espère que ça vous plaît, des bisous, à bientôt, ciao, skiii.